Depuis l'annonce de la mort de son père, Johnny Hallyday, en décembre dernier, David Hallyday se fait très discret. Ce n'est qu'à l'occasion des fêtes de Noël que le chanteur était sorti du silence sur Facebook pour donner de ses nouvelles. « Je profitais simplement de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et surtout pour vous remercier pour tous les messages que vous avez pu m'envoyer ces trois dernières semaines. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, donc merci beaucoup du fond du cœur. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. » Et c'est finalement ce vendredi 9 mars que David Hallyday a fait son retour sur scène. Alors que le clan Hallyday est en guerre ouverte concernant le testament de Johnny Hallyday, David Hallyday quant à lui vient d'entamer en toute discrétion une tournée française. Et ce vendredi 9 mars, il était au casino de Pougues-les-Eaux dans la Nièvre devant un public de 400 personnes. Et bien évidemment, David Hallyday a rendu hommage à son père. David nous a fait passer beaucoup d'émotions. Il a fait un très bel hommage à son papa. Il lui a envoyé un « je t'aime » et lui a promis de ne jamais l'oublier, a confié une spectatrice au micro de Lucie. David Hallyday a également joué deux chansons de son père, « Je ne t'oublierai jamais » et « 100%